Encore mais c'est toutes ces mouna qui crient moins, qui se chican, pas ça vous déca chanter, mais sont là, ça sont sans fin au moins 8, comme 7 ans. Encore mais c'est le grand monsieur Christian Yeye qui te produit moins, qui composait son là, ça, docteur! Hein? Mais c'est un sang qui est ancien. Mais voilà, donc, nous avons dit que nous avons commencé. Bon, on peut pas faire tout, on peut pas faire tout, mais bon, en tout cas, voilà, Gili Gili Chateau et yo. Ça qui te connaît, déjà connaît, ça qui pas connaît, eh bien, ils ont apprendre. Ni en vidéo qui terbolise l'esprit en moi, ni en vidéo qui chatouille moi, ni en vidéo, en vraie vidéo là, en disant, est-ce qu'il faut montrer, est-ce qu'il faut pas montrer, parce que c'est vrai tout le temps, nous là qu'à critiquer, c'est entier en nous qu'à toujours critiquer yo, nous qu'à toujours mal parler yo, nous qu'à toujours. Et en vraie vidéo là, ça, on dit, tiens, mais on te dit que c'est la vérité. Ou t'es dit que c'est la vraie vérité, ça fait spécial. Ou t'es dit. Hein? Donc on dit, bon, ben, Chica, est-ce qu'on passe, est-ce qu'on passe, est-ce qu'on passe, est-ce qu'on nous passe? Mais avant de passer, je vois tout le monde, mais pas penser faux. Faut passer parce que la vidéo là, c'est les réseaux, hein? Mais chatouille esprit, moi, effectivement, c'est vrai. Donc des fois aussi, faut qu'à. Hein? Faut qu'à saluer, serre nous. Là, quand on est saint, nous, ça pète saint, nous, filles, nous, maman, nous. Eh bien, la femme entière, quoi. Hein, comme elle dit dans la vidéo, les fils des îles, nous avons parlé de tout à l'heure. Quand vous voulez mon patron regarder, nous grande terre, basse terre, maïga, entre les sept, la désirade, Saint-Martin, Saint-Barth, Haïti, Saint-Domingue, la Martinique, la Dominique, la Guyane, la Réunion, toute la Caraïbe, Miami, Porto Rico, New York, Canada, Montréal, Toronto, Québec, Paris, Montpellier, Toulouse, Lyon, Bordeaux, 3, 91, 92, 77, 78, 75. T'engager gonesse, tout côté nous voyons l'amour, l'amour. Est-ce qu'elles sont là, la famille? En Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, en toute l'Afrique. Coutez pour t'entendre, pour comprendre. On voit, oui. Pourquoi est-ce que j'ai beaucoup de respect pour les femmes des îles? Les femmes des îles, c'est-à-dire les Antillaises, les Martiniquais, si j'appelle bien les Réunions, toutes les îles-là, en général. Hein? Vous savez pourquoi est-ce que j'ai un grand respect pour ce peuple? C'est le seul peuple noir au monde où tu verras les femmes assumer leurs cheveux naturels. Le seul peuple où les femmes, elles ont toujours des locks, des jolies locks que je trouve magnifiques. J'ai été toujours passionnée par ce peuple. Le fait qu'elles assument leurs cheveux naturels. Moi, aujourd'hui, si j'assume mes cheveux naturels, c'est grâce à ce peuple. Elles ont été une bonne influence pour moi. C'est grâce à eux que j'ai compris que, en tant que noir, c'est normal d'avoir des cheveux comme ça. Et on n'est pas obligé de se déguiser, de les cacher avant de sortir. C'est normal de sortir aussi avec ses cheveux. C'est qu'ils ont été un bon exemple pour moi. C'est grâce à eux aujourd'hui que je suis fière de mes cheveux crépus, que je peux sortir avec ça et je suis toujours fière. Ils ont été un bon exemple. Contrairement à la femme africaine a du mal toujours à accepter ses cheveux crépus. C'est une réalité qu'on ne peut pas nier. Chapeau au peuple des îles. Chapeau, je vous sais que hein, j'ai un grand respect pour vous. Et non seulement côté cheveux, le seul peuple noir au monde où les femmes ne se dépigmentent pas la peau, ce sont les femmes des îles. Elles ont toujours leur teint naturel. Contrairement à la femme africaine aime trop le décapage. La femme africaine, même en 2022, n'est toujours pas prête d'assumer ses cheveux crépus et sa peau. Soit 10% des femmes africaines se dépigmentent la peau. Les femmes des îles, ce n'est pas le cas. Il y a toujours des exceptions. Ne venez pas me dire, je connais tel. On ne parle pas des phénomènes. On parle de la majorité. Les femmes des îles sont le seul peuple noir au monde qui assume leurs cheveux naturels et leur teint naturel. J'espère qu'un jour, les femmes africaines vont prendre exemple sur ce peuple. Parce qu'elles sont une bonne influence. Vous devez suivre leur exemple. Apprendre à aimer votre teint naturel et vos cheveux naturels. Vous n'êtes pas toujours obligé de vous déguiser sous des perruques avant de sortir. Comme si c'était la peste. En tout cas, chapeau
à ce peuple. J'ai un grand respect pour vous. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, Kazoka pensé 05 90 96 10 10. Elles ont bien tant de messages à ceux là. Est-ce qu'elles sont d'accord avec? Est-ce qu'elles sont pas d'accord avec? Alors, dis-moi, Kazoka, Chika, t'as repassé ce message là. Nous allons repasser. Anyway. Pourquoi est-ce que j'ai beaucoup de respect pour les femmes des îles? Les femmes des îles, c'est-à-dire les Antillaises, les Martiniquais, si j'appelle bien les Réunions, toutes les îles là, en général. Hein? Vous savez pourquoi est-ce que j'ai un grand respect pour ce peuple? C'est le seul peuple noir au monde où tu verras les femmes assumer leurs cheveux naturels. Le seul peuple où les femmes, elles ont toujours des locks, des jolies locks que je trouve magnifiques. J'ai été toujours passionnée par ce peuple. Le fait qu'elles assument leurs cheveux naturels. Moi, aujourd'hui, si j'assume mes cheveux naturels, c'est grâce à ce peuple. Elles ont été une bonne influence pour moi. C'est grâce à eux que j'ai compris que en tant que noir, c'est normal d'avoir des cheveux comme ça. Et on n'est pas obligé de se déguiser, de les cacher avant de sortir. C'est normal de sortir aussi avec ses cheveux. C'est qu'ils ont été un bon exemple pour moi. C'est grâce à eux aujourd'hui que je suis fière de mes cheveux crépus, que je peux sortir avec ça. Et je suis toujours fière. Ils ont été un bon exemple. Contrairement à la femme africaine a du mal toujours à accepter ses cheveux crépus. C'est une réalité qu'on ne peut pas nier. Chapeau au peuple des îles. Chapeau, je vous sais que hein, j'ai un grand respect pour vous. Et non seulement côté cheveux, le seul peuple noir au monde où les femmes ne se dépigmentent pas la peau, ce sont les femmes des îles. Elles ont toujours leur teint naturel. Contrairement à la femme africaine aime trop le décapage. La femme africaine, même en 2022, n'est toujours pas prête d'assumer ses cheveux crépus et sa peau. Soit 10% des femmes africaines se dépigmentent la peau. Les femmes des îles, ce n'est pas le cas. Il y a toujours des exceptions. Ne venez pas me dire, je connais tel. On ne parle pas des phénomènes. On parle de la majorité. Les femmes des îles sont le seul peuple noir au monde qui assume leurs cheveux naturels et leur teint naturel. J'espère qu'un jour, les femmes africaines vont prendre exemple sur ce peuple. Parce qu'elles sont une bonne influence. Vous devez suivre leur exemple. Apprendre à aimer votre teint naturel et vos cheveux naturels. Vous n'êtes pas toujours obligé de vous déguiser, sous des perruques avant de sortir. Comme si c'était la peste. En tout cas, chapeau à ce peuple. J'ai un grand respect pour vous. C'est ça que je fais. Oui. Alors, t'es obligé de passer cette vidéo-là sans regarder combien de fois. Parce que la vidéo-là chatou l'esprit en moins. Alors, ni mon qui est d'accord, ni mon qui est contre. Eh bien, nous, là, justement, pour échanger. Et nous, nous invités aussi. Ça a tombé bien. Nous, nous, spécialiste du cheveu qui lève avec nous. Hein? Il a, parce que vous voyez tout à l'heure. Et après, nous, quand parler de différents bits. Nous, pas que t'es invité. Pas tout l'appeler. Nous, quand on prend un premier appel. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, tu nous appelles d'où? Bonsoir, toute la Guadeloupe. Bonsoir, tu nous appelles d'où? J'appelle Levé Maro, Martine de Guadeloupe. Ah, t'écoute, vas-y. Vas-y, Martine. Alors, en fait, elle a totalement raison. Hein. Totalement raison, totalement raison. Et c'est vrai que les Africaines, elles veulent se transformer, malheureusement. C'est dommage. Mais c'est vrai que Chivé Nature est là, au top des tops. Mais elle a tout dit, en fait. D'accord. Elle a tout dit. Eh bien, pas arrêter loin téléphone now, à part du pis, parce que je gagne un lot cadeau à gagner. Il y a un lot cadeau à gagner. Cadeau qui est tombé comme si Lili. Antenne là, en cas de souhaiter Canal 10. Bonne continuation. Merci pour l'émission là. Ok. Que ce soit Chica, que ce soit Sabine, Jeff, etc. Bonne continuation. Pas la guerre, rien. Eh bien, nous quand même, la famille. Boudjoum. Voilà. Allô. Qui j'ai en famille là? Regardez la caméra là devant moi. Et vous présenter, ouais, pour les gens qui ne connaissent pas vous, pour ça qui je connais vous, dites bonjour. C'est vrai. Alors bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à tous les clients qui vont me reconnaître. Donc je suis Émilie, donc créatrice de la marque de produits cosmétiques 100% naturels à base de cactus. Donc la marque Naturel Univers et je suis contente d'être là aujourd'hui sur le plateau avec les invités et avec Chica. Alors la famille, qu'en pensez des vidéos là, nous sortir vraiment là? Alors, vous, en tant que femme des îles, parce que vous avez parlé des femmes des îles. Parce qu'en général, on dit, ouais, les gens des îles, c'est des mauvais exemples. Ah, les gens des îles, ils ont piché, ils ont fait des ors, ils ont fait des guillemets, ils ont fait des guillemets, ils ont fait. Et la première fois, ou quand on a un monde qui a valorisé hein, les gens des îles et surtout la femme antillaise. Parce que tout le monde a là pour écraser la femme antillaise. Moi, je crois que c'est une des rares vidéos où on a vu les femmes antillaises. Enfin, les femmes des îles.
Quand on passe la vidéo là, ça. C'est vrai, c'est vrai. Pour une fois qu'on nous valorise, qu'on parle de nous de manière positive, en fait, je trouve que c'est quand même une bonne chose. Après, je pense qu'il y a quand même une certaine partie quand même de la communauté africaine qui commence à prendre conscience de certaines choses par rapport au danger, je pense, de la dépigmentation et l'acceptation des cheveux. Comme elle dit, c'est vrai, c'est en cours, mais ce n'est pas encore tout à fait ça. Parce que là, on voit bien qu'elle dit que c'est grâce aux femmes des îles qu'elle-même, elle a pris conscience qu'elle doit être fière de ses cheveux, qu'elle doit être fière de sa couleur de peau, qu'elle doit être fière de soi-même, d'elle-même. C'est ça qu'elle dit dans la vidéo en résumé. C'est ça, exactement. Donc, je trouve que c'est une vidéo qui est plutôt plaisante et... voilà, hein, je trouve que c'est une bonne chose, en fait. Toujours est-il qu'il faut quand même continuer à se valoriser et à s'accepter, en fait. Comme elle dit, je sais pas moi, si on est de nature à avoir les cheveux crépus, on n'y a que les cheveux crépus, c'est pas une fatalité, c'est pas une malédiction, c'est nos cheveux, ça fait partie de nous. Donc, il n'y a aucune raison, en fait, de ne pas s'accepter, en fait. Voilà. Alors, la gamme a grandi. Alors, est-ce que tu peux nous faire une... Big up Jordan, belle coup caméra, si t'as blanc, parce qu'elle a toute gamme là. Toute gamme là, oui, gamme là augmentée encore. Oui, alors ça va augmenter bientôt parce qu'il y a le shampoing qui est en cours, qui devrait sortir dans quelques semaines. Donc en fait, ce sont des produits cosmétiques naturels, comme je disais, à base de cactus, donc qu'on appelle la fameuse raquette en fait, hein, tout simplement, parce que c'était déjà une plante qui était utilisée par nos arrière-grands-parents déjà depuis un petit moment. Mais c'est vrai qu'on l'a un petit peu occultée, on l'a un petit peu mise de côté, on la connaît pas vraiment. Donc moi, j'ai tenu à la remettre en lumière à travers mes produits, donc sous forme de lotion. Donc vous avez des lotions végétales hydratantes pour tout ce qui est hydratation quotidienne du cheveu, qui va venir remplacer le fameux vapeau qu'on a tendance à faire en faisant des mélanges d'eau et d'huile. On a aussi des lotions à base de cactus et eau florale de menthe poivrée qui va permettre de traiter les problématiques de démangeaisons, pellicules, desquamations. Donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent de ça. Donc ça peut être dû aussi au type de produit utilisé, au type de shampoing utilisé ou autre. Et on a aussi des lotions sculptantes qui vont plutôt agir comme un conditionneur, donc utilisable sur tout type de cheveux, y compris sur les locks, et qui va permettre, associé aux huiles végétales, d'avoir une fixation des cheveux pour tout type de coiffure. Par exemple, moi, j'ai été coiffée hier avec essentiellement les produits et ce, sans avoir eu besoin de mettre de gel ou autre, en fait, parce que c'est un pouvoir fixateur naturel. Donc, tout produit au naturel, et on voit encore, hein, mes photos, il y a Chicano, je n'ai pas fait rien. Il y a combien de temps que tu as créé ta marque? Alors, c'est vrai que Chicano, c'est la vidéo dans les débuts. Alors, ça fait déjà 6 ans, bientôt 7 ans. Et donc voilà, donc j'espère pouvoir continuer. Il faut le dire, parcours de combattant, il ouais. Met un long bâton, il va me garder ça, mais arrête ça, il va essayer d'échouquer, il va essayer, alors qu'elle était venue toute l'amour, mais pas peut-être fois, à qu'à féliciter, parce que malgré tout ça, il fait, il était debout et produit là. Nous applaudis, Isabelle. Beaucoup. Procès, tout, hein, ça y est, ça y est, bon, nous parlons de 26 ans, je sais, vous, les produits de la main, je sais, la romane. Ouais. Hein, les gros ne pas voler petit vin, et les anciens ne pas voler, je laisse monter aussi. Je vais féliciter parce que merci. Ça a montré que nous avons détermination et que nous avons un coup à il faut nous continuer. Alors, qui nouvelle ouvre nous après nous aujourd'hui là? Alors, donc, du coup, comme les choses sont en train de se remettre en place au fur et à mesure, donc, pour moi, ça reste toujours important d'aller à la rencontre, en fait, de la clientèle. Mm-hmm. Donc, samedi, donc ce samedi-là, je crois que c'est samedi 18, je ne dis pas de bêtises. Non, samedi 15, pardon. Mm-hmm. Samedi 15 octobre. Donc, il y aura une démonstration gratuite au magasin d'Annie Market qui est situé au Moule, donc juste en face du Cimetière. Donc, ce sera là de 9h à midi. Donc, vous allez pouvoir venir bénéficier de conseils capillaires gratuits, essayer les produits sur vos cheveux gratuitement. Et ensuite, l'après-midi... l'animation à la démonstration gratuite, ce sera au magasin Rima à Destrélan, qui est situé juste à côté de Megachos. Et à Rima, ce sera de 14h à 16h, toujours avec des démonstrations gratuites et conseils gratuits pour tous. Alors, il faut savoir que l'émission est très, très suivie. Hein. Et oui. Partout en France, hein, des millions de personnes nous regardent, hein, sur toutes les boxes. Hein. Par exemple, Belafoui, hein, plus de 8 000 abonnés. Orange, plus de 20 000. 8 millions, reste 8 000. Ouais. 8 millions ça. D'abonnés sur la fouille. Oh, 20 millions sur tout ce que... Nous ne pouvons pas parler de ça parce que ça a commencé à chauffer tête à monde. Nous ne pouvons pas parler des autres réseaux. Nous ne pouvons pas parler des réseaux à la télévision. Hein. Hein? Nous, en direct, là, nous regardons. Si Orange, etc., toutes les boxes en France. Hein?
Mais là, ni des gens qui m'ont demandé, est-ce qu'on a un site internet, est-ce qu'on va livrer en France? Oui. Vas-y. Alors, bien évidemment, il y a la boutique en ligne, parce que j'ai pas encore de boutique physique. C'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Mais il y a une boutique en ligne qui est www.naturelunivers.fr. Et la livraison, elle est mondiale. Donc, il y a aussi normalement... Oui, mondiale. Reste ça en bas. Livraison mondiale. Non, nous parlons de ça nous parle pour jouer. Mondiale. Partout. Voilà. Donc, en hexagone, partout, n'hésitez pas. On prend un appel. Allô? Allô, Chika. Bonsoir, tu nous appelles d'où? De Paris 13e, Chika. Paris 13e. Émission très belle, Chika. Le prénom? Teddy de Paris. Ah, Teddy qui joue? Chica, mais ça, madame l'a dit là, c'est très, c'est en vérité. Faut pas nous jaloux pour là pour nous. Faut pas nous défriser. Parce que l'on va à Château Rouge, ou quand on sait madame Lacazou, Kaolite, Kaolite, son bétain qui fait à base d'ammoniac, ou quand détruit pour moi, ou quand fait au cancer de la peau. D'accord. Chica, ça pas bon, c'est bétain. D'accord, t'es dit. Restez naturel, restez connouillé là. Ok. Pas eh bien, big up, t'es dit. Big up. Boudoum. Alors, nous ne pas garder en l'autant ces appels-là parce que l'émission en coûte. Genre, on est 5 minutes, plateau l'a chargé. Et encore, excusez-moi encore parce que nous n'avons pas été invités qui veut qu'elle recevra. En pépin, l'émission, moi, c'est picoute là, c'est 4 minutes. Tout le monde a servi, moi, ça va passer. Mais moi, je suis un seul homme. Hein. Comme on dit, la plus belle femme du monde peut donner ce qu'elle a. Et le plus beau. Non, pas beau. Pas belle. Voilà, je crois qu'il y a plateau là. Eh bien, à quand même, ça a fait. Alors, en cas encore. Après, quand nous avons fait vidéo là, parce qu'il ne faut pas nous prendre mal, chaque monde a fait ça, nous ne pouvons pas juger pour le monde. Mais comment, dans la vidéo là, en vrai, pour une fois, nous avons valorisé la femme antillaise, nous avons félicité la femme antillaise, si ça nous a fait, et ça, c'est évident, et nous pas dit. Si nous avons gardé un pays là, nous avons plus en plus de femmes, et d'hommes aussi, hein, commencer à revenir au naturel. Hein? Ni plus de hommes qui a gardé chivé à yo. Voilà, etc., et etc., et etc. Alors, reviens à toi. Prépare les autres, mets-toi ton téléphone là. Bon, est-ce que nous avons fait un gagnant bidet? Ah, mais écoute, je viens jamais les mains vides à Canal 10, Chica. Bien sûr. Attention, mais j'ai un appel. Oui, maman, liquide. Rapide, hein. Attention, allô? Ouais, bonjour. Allô? Salut, Chica, bonsoir. Tu nous appelles d'où, la famille? Je t'appelle de Paris. De Paris? Oui. D'accord, le prénom? Jean. Jean, t'écoute, vas-y. Tu sais, Chica, je ne suis pas resté très longtemps parce que tu n'es plus une écoute. Oui. Tu sais, je te dirais quelque chose. Dis-moi. Tu m'entends? Oui. Eh bien, tu sais, cette femme, vraiment, elle est courageuse, cette femme africaine. Et tu sais, elle a mille fois raison. Et d'autant plus, je te dirais quelque chose. Bref. C'est que moi, je côtoyais une femme en France, quoi, une femme africaine. D'accord. Cette femme ne travaillait pas. Elle faisait des petits boulots. Tu sais, elle gagnait très, très peu d'argent. Elle se sacrifiait cet argent pour acheter des perruques blondes. Je disais, mais écoute, arrête. Tu sais, tu me demandes des fois de l'argent, mais tu vas t'acheter des perruques de blanc. C'est quoi ça? Tu es noir, reste noir, et il y a des coiffeurs, des coiffeuses, ils vont te faire des coupes. Elle me dit, ah non, il faut changer. Je dis, bon, ben, c'est ton problème. Voilà, ce que je voulais te dire. D'accord. Mais elle a mille fois raison, cette femme africaine. Elle est courageuse et je dis vraiment bravo à cette femme. D'accord. Allez, alors, on te remercie. Alors, on va repasser la vidéo et juste après, le prochain appel, nous allons faire gagner. Quand nous allons faire gagner? Il y a une lotion à gagner aujourd'hui sur le plateau de Canal 10. Attention, c'est parti. On remet la vidéo. Pourquoi est-ce que j'ai beaucoup de respect pour les femmes des îles? Les femmes des îles, c'est-à-dire les Antillaises, les Martiniquaises, si j'appelle bien les Réunions, tous les îles-là en général. Hein? Vous savez pourquoi est-ce que j'ai un grand respect pour ce peuple? C'est le seul peuple noir au monde où tu verras les femmes assumer leurs cheveux naturels. Le seul peuple où les femmes, elles ont toujours des locks, des jolies locks que je trouve magnifiques. J'ai été toujours passionnée par ce peuple. Le fait qu'elles assument leurs cheveux naturels. Moi, aujourd'hui, si j'assume mes cheveux naturels, c'est grâce à ce peuple. Elles ont été une bonne influence pour moi. C'est grâce à eux que j'ai compris que en tant que noir, c'est normal d'avoir des cheveux comme ça. Et on n'est pas obligé de se déguiser, de les cacher avant de sortir. C'est normal de sortir aussi avec ses cheveux. C'est qu'ils ont été un bon exemple pour moi. C'est grâce à eux aujourd'hui que je suis fière de mes cheveux crépus, que je peux sortir avec ça et je suis toujours fière. Ils ont été un bon exemple. Contrairement à la femme africaine,
La femme africaine a du mal toujours à accepter ses cheveux crépus. C'est une réalité qu'on ne peut pas nier. Chapeau au peuple des îles. Chapeau. Je vous sais que hein, j'ai un grand respect pour vous. Et non seulement côté cheveux. Le seul peuple noir au monde où les femmes ne se dépigmentent pas la peau, ce sont les femmes des îles. Elles ont toujours leur teint naturel. Contrairement à la femme africaine aime trop le décapage. La femme africaine, même en 2022, n'est toujours pas prête d'assumer ses cheveux crépus et sa peau. Soit 10% des femmes africaines se dépigmentent la peau. Les femmes des îles, ce n'est pas le cas. Il y a toujours des exceptions. Ne venez pas me dire, je connais tel. On ne parle pas des phénomènes. On parle de la majorité. Les femmes des îles sont le seul peuple noir au monde qui assume leurs cheveux naturels et leur teint naturel. J'espère qu'un jour, les femmes africaines vont prendre exemple sur ce peuple. Parce qu'elles sont une bonne influence. Vous devez suivre leur exemple. Apprendre à aimer votre teint naturel et vos cheveux naturels. Vous n'êtes pas toujours obligé de vous déguiser sous des perruques avant de sortir. Comme si c'était la peste. En tout cas, chapeau à ce peuple. J'ai un grand respect pour vous. C'est ça. Alors voilà, cette vidéo m'a chatouillé. Donc ça fait me réfléchir. Regardez combien de fois on a pas menti parce que regardez la vidéo là ça au moins 15 fois. Mais 140 si on a dans la vidéo là ça. C'est qu'il faut nous apprendre. Nous tous à accepter nous. Accepter Jean-Nouillé. Avec qualité et avec défaut en nous. Et est-ce que c'est un défaut? Comment? Alors, gonné! Ah ouais, gonné là! Là, t'es petit! Eh ben, pas qu'être pour nous dire, il a gonné, il a gonné, il a gonné, il a gonné! Eh ben quoi? Mais néanmoins, ah pas néanmoins, mais néanmoins, c'est héritage à famille en moins. Son nez qui a tient de par rapport à grand-mère en moins, en fierté, qui a montré justement, eh ben, identité en moi par rapport à mélange là quand il est là. Et mais c'est ça pour nous peut comprendre. Faut pas nous rejeter en cet en nous. Faut pas nous régner en cet en nous, quel que soit en cet là. Surtout que nous tous majoritairement nous mélanger. Nous mélanger. La réalité c'est ça. Tout le monde a mélangé. Femme généalogique, ou que vous voyez. Femme généalogique, ça veut dire qui m'a dit papa, ou qui m'a dit maman, ou qui m'a dit papa, papa, ou maman, papa. On va remonter, ou que vous voyez qu'on est en mélange. Faut accepter tout en cet âme. Parce que là, ou qu'a régné en cet âme, ou qu'a effacé. Parce que si vous partez là, ou partez là. Sans qu'on retienne des vidéos là, ça, c'est que faut apprendre, aimer ou et accepter ou. Et deuxièmement, sans qu'on retienne, eh bien, pour une des rares fois, encore vous que vous félicité femme nous les femmes des îles qui ont porté avec fierté originalité à yo. Félicitations à vous mesdames. Voilà. Alors c'est pour ça qu'on passe cette vidéo là. Parce que c'est vrai, il faut le dire. Porter des cheveux naturels, c'est discriminer même au pays parce que femme qui porte l'ox. C'est vous le dire. Toute femme qui a porté l'ox, c'est bien regardé dans le bureau. Il a fumé bonbon. Ah, il y a dedans. Ah, la star. Ah, comment ça? Qui femme qui nomme qui a porté l'ox? Discriminé en Guadeloupe. Moi, porté l'ox très jeune. A porté l'ox très, très, très jeune. Qui veut dire, a presque porté l'ox tout le temps, vie en moi. Et après, dis autres qu'à l'époque, quand tu as fait l'ox en moi, eh bien, tu as fait l'ox en moi. À l'époque, mami te ka chen sa kaye kon sa, moun te ka rekile, moun te ka kibite, pas de vrai ou. Ou l'on te ka adon anive ou se, ou te ka zi non, 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 yo pa ou invite ou. Mais l'on y vezi papa, ta papa la kaza ou a, la sama la kaza mwen ou. Eh ben, j'ai connu ça. J'ai connu ça, la discrimination. Et ça existe toujours. Yo pe di ou li, mais ou yo ka fè ou senti. Yo ka kade ou kon sa. Ouais. Alors, on peut juste s'appeler avant la pub, qui a gagné? Un appel, qui a gagné? Qu'est-ce qu'on met à gagner? Alors, c'est la lotion végétale hydratante 100% naturelle à base de cactus pour vos cheveux qui est à gagner aujourd'hui. Pas l'appel? On devait faire gagner juste avant la pub. OK. Suspense. 05 90 96 10 10. Nous qu'à mettre en jeu. Prochain mouna qui crie nous qu'à gagner sans lotion. Lotion végétale hydratante à base de cactus 100% naturelle pour vos cheveux. Alors, cette lotion, c'est pourquoi?
Alors, c'est vraiment pour l'hydratation quotidienne. Elle va permettre aussi la pousse du cheveu lorsqu'on l'associe, bien évidemment, à des huiles végétales vierges. Et surtout, c'est une lotion qui est sans rinçage, donc qui va permettre à vos cheveux de garder toutes les vitamines, tous les bénéfices du cactus. Allô? Allô, allô, allô? Allô? Bonsoir, tu nous appelles d'où? Du Bosier. Le prénom? Vanessa. Eh bien, Vanessa, t'as gagné. Je te laisse dire à Vanessa, qu'est-ce qu'elle a gagné? Félicitations, Vanessa. Vanessa a gagné donc la lotion végétale hydratante. Ça va lui être remis, je dirais, certainement ce soir ou demain en main propre. Alors, il faut prendre son numéro de téléphone, hein? Oui, surtout. Alors, Vanessa, tu vas laisser ton numéro de téléphone en antenne, d'accord? Aïe! Ça a coupé. Merde! Merci. Chut! Vanessa, essaie de nous rappeler. Télévision va marcher sans publicité. Après la pub, nous allons retourner. L'amour. Boudoum, pipa, la banou de retour. Tout de suite, nous allons voir des teasers et nous allons revenir au plateau. Là, nous allons parler des sports. Souhait, nous allons souhait même, nous allons transpirer. Mais toujours pour la bonne cause et dans la bonne humeur, parce que le sport, c'est la santé. On y va. Mamie, c'est quoi la jogger? Le 16 octobre à Sonis, mon chéri. Mamie, c'est quand la joggers? Mais c'est demain, ma chérie. Mais où sont nos chaussures? Mamie a tout prévu. Et il y en a pour tout le monde. Yes! Et cette année, c'est au profit des non-voyants. On va se préparer. Ouais. Ouais. Mamie, c'est quand la joggers? On voit encore. Sport présente la 6e édition de l'événement caritatif La Joggers le 16 octobre dès 6h, esplanade du centre culturel Sonis. Ensemble pour une meilleure intégration des personnes malvoyantes et des aveugles de Guadeloupe. Course, marche, échauffement avec Jenny Paulin, parrainée par l'artiste Luan Pommier et Ronnie Brut de Défi Courage. Inscription et dons à Joggersport ou en ligne sur fabricesportchrono.fr. Info line 05 90 48 67 18. La Joggers avec Groupama, La Creole Beach et McDonald's. Oui. Alors, mon cas, vous voyez WhatsApp, mais regarde, c'est Chica. Est-ce que tu peux remettre? Vous voyez, c'est mon cas à suivre. Ah, mais les autres, paquet. Et, Annie Bizarre, vous autres gagnez. Cadeau qui est tombé, parce qu'elle a sorti signé avant gros, pas où tenir. Américain. Chut. US. Ouais. Et un dernier produit en exclusivité. Il a, pourquoi montrer les autres lits? Mesdames, messieurs, mettez votre tour à téléphone là, parce qu'on va faire votre gagner. Et ça va changer vie à Zot. Tout à l'heure, mais pour l'instant, nous, là, c'est la Jogos. Ou à voyer pour mes teasers à la Jogos. Ouais! Mamie, c'est quand la Jogos? Le 16 octobre à Sonis, mon chéri. Mamie, c'est quand la Jogos? Mais c'est demain, ma chérie. Mais où sont nos chaussures? Mamie a tout prévu. Et il y en a pour tout le monde. Et cette année, c'est en profit des non-voyants. Ah. Mamie, c'est aujourd'hui la joggers. Ah, mais c'est vrai. Oh, mais on va se préparer. Oui. Alors, on est la famille? Ben, sinon, très bien, Chika. Ah, non, première question, avant de nous parler de joggers, là. Qui m'a acquitté l'idée à faire ce sport-là comme ça? Ben, sinon, nous avons un travaillé avec nous, hein, et il portait l'idée là avant nous, et nous trouvait l'idée là très bien. D'ailleurs, petit garçon, on va jouer là, c'est un garçon, moi, il a 5 ans, c'est Liam. Et nous apprenons le scénario là sur place même, hein, ça a créé le biche que nous tournons le scénario là. Et puis là aussi, enfin, il y a un qui rentre dans le rôle là, en fin de compte. C'est pour te dire que les enfants pas ni pour qu'ils t'en aillent. C'est pour ça que nous avons habité, parce que la vérité sort de la bouche des enfants et ça c'est vérité. D'accord. Alors, histoire là, je pense que ça a commencé quittant. Est-ce que vous parlez de ça? Oui, histoire là, je pense il commençait vers Bruno, frère moi, et nous.
pensant l'idée, nous t'es attendu à l'époque, McDo t'es qu'à faire les 5K, c'était mm-hmm. pour les dripanos. Mm-hmm. Mais chaque année, c'était tout le temps les dripanos. Oui, on sait qu'il y a les dripanos, on sait que ça existe, oui. Mais hors de dripanos, ni d'autres maladies qui existaient. Mm-hmm. Alors du coup, nous, ils ont venu arrêter les 5K. Et tout de suite, bon, Bruno et moi, comme d'habitude, hein, nous là, nous avons réfléchi, nous disons pour maintien, nous avons occasion. Alors nous créons une association, dont nous avons un conseil pour événements. Mm-hmm. Donc il est il président association là, il est vice-président association là. Alors à partir de là, nous disons à présent, chaque année, nous avons choisi une association et nous avons choisi une cause qui va permettre effectivement de récupérer les fonds pour nous aider l'association là. Et aussi, mettre en avant, en lumière justement, maladie là. À pas qu'un qui aille machin là, il a pour aille machin. Mais avant ça, nous avons des émissions qu'on justement, nous avons dit merci Chicanos de recevoir nous aujourd'hui dans l'émission. Pas de problème. Parler justement des problématiques à l'UDAC qu'elle nous choisit. Parce que, à part contre, il n'y a pas qu'un qui aille machin. Mais il faut parler des problématiques là. Il faut parler, ça c'est nous avons rencontré les conseillers en situation de handicap ou quelle qu'en soit maladie là. Fais-nous ça, que okay, nous toutes, à dans nous, nous, en situation d'handicap, nous pas même savent. Et dis-nous ça encore. Fais-nous ça, ok, nous, tout en situation d'handicap, qu'ayons même pas même ça, ok, en situation d'handicap, qu'on nous-mêmes. Tu comprends? Et là, nous qu'à vivre avec handicap là. Nous qu'à avancer avec handicap là. Nous, handicap là, en fin de compte, nous qu'à perdre lien, qu'il est nous qu'à dormir. Ça veut dire, là, on sommeil, là. Où sont-ils, hein? À des gars dormir, arrivé garçon au moins, l'image est restée en tête en moins, était ni un an et demi. Après, on n'a pas d'image, hein, on voit en télé là, mais on n'a pas d'image, même deuxième garçon au moins, ou premier là aussi, on a des images très jeunes. Alors, qui s'en est arrivé? Est-ce qu'on peut raconter nous? Oui, alors, moi, en fait, compte, c'est un rétinique pigmentaire. Ça veut dire, c'est une maladie, malheureusement, qui a dégénéré en dégénération des yeux, de la rétine, qui a fait que petit à petit, on ne peut pas être vieux. En fin de compte, ou avant qu'on perde vue, ou qu'on perde champ sur les côtés, ou qu'on perde en bas, ou qu'on perde en haut. Ça veut dire que l'on se voit marcher, il faut regarder pour pouvoir l'escalier là, etc. etc. Alors, maladie là, en fin de compte, on vient découvrir en 11 ans. Mais en l'an dernier 11 ans, on toujours brutal, toujours dynamique, toujours t'écrafant par quel bidet. Alors, du coup, en vive, elle va tête en main, et en disant certains moments, on est arrivé à niveau là sans jour. Alors, certains moments, il faut organiser, vie. En tête, on m'a déjà commencé à préparer moi, dans le sens que, en tout cas, vivre la vie à plein dents. Et pas ni à rien de carité moi. Pas ni pour. Pas ni mieux ou moi, en fin de compte. Et déjà, en tout cas, on coupe tous les mercredis. Parce qu'en tant que dents. En tout cas, vivre, en fin de compte. Et puis après, en partie en France, en vivant certainement en France, en fait l'Europe, en fait débiter, en fin de compte, les mouns à côté de moi, ils ont pas peut-être qu'à comprendre, mais moi, en tout cas, vivre. Et puis après, petit à petit, on vient faire une opération il y a 2 ans. Qui fait que malheureusement, tu peut-être dois attendre parce qu'avant l'opération là, on t'a encore la vue. On t'a payé vrai téléphone en main, on t'a payé lien message. Mais bon, les choses pas faites, combien t'es faites, mais ça grandit moins encore. On dit bon, on est, mais où j'ai pas vrai, où vient pas vrai encore. Mais quand on va faire, nous avons été cisé, nous avons pleuré, quand nous avons fait. Mais il faut avancer beaucoup. Et là, du coup, en y faisant moins et moins, nous avons géré Jogos pour j'ai 12 ans. Et c'est justement les constantes qui travaillent dans l'enseignement quand ils travaillent là à l'époque. Là, on fait nous en licenciement économique en 2010. On dit, bon, on a trouvé travail, oui. C'est ça où on a trouvé travail. Et on criait à l'époque, avec Jalton, on parlait de projet en main. On dit, on n'a pas mal de placement en mairie. Hein. Simplement, on veut qu'on ben manque à la pêche, mais après, pêcher, c'est ça on veut. On n'a pas besoin de demander autant plus souple. Et comme ça, on a fait politique avec des plus jeunes en temps en terrain sur le 4e canton avec Lugal, en train de se faire ça. Alors, c'est des mouns, effectivement, qui accompagnent moi. Monsieur Eric Jalton payait 2 loyers pour moi, nous démarrer à Kadjogo Sport, c'est le local de là. Lui, Galantine, paye 3 loyers pour moi. Alors, pour dire que moi, en Tévini, moi, paye réussi. Réussi parce qu'en son autodidacte, en pas de diplôme. Fais-moi été réussi. En y faisant moi qui sortit en France, il croit en projet en moi. Il est rentré, en sachant que lui, il est un informaticien, mais sans beaucoup qui est bon talent, mais c'est une pleine compétence. Alors, on dit, et comme nous sommes toujours très soudés étant petit, on dit, mais, fin ni franc, mais à côté en moi. Et du coup, nous avançons.
nous avançons ensemble. C'est pour ça qu'on dit l'handicap ensemble. Parce que nous besoin nous ensemble pour nous avancer. Parce que un monde qui a vienne baoul en main, mais les baoul en main, il ca ôté mai, ça dit j'allais se tomber. Mais là mon est vert ensemble. Union en madame, union mari, union moun, union petits enfants qui ca accompagner famille qui en situation d'handicap, il éveille ensemble. Il pas bien qui en coup de main, il ca bail l'amour, il ca bail kay. C'est ça en fin de compte. Et c'est ça la Jogers. Oui, c'est pour ça mes émission là. Ou présente ça pour notre émission. Je ne peux pas parler comme ça, on y, bon, nous connaître nous. Hein? C'est important. Mettez un grand. Parce que peut-être qu'il y a des gens qui ont vécu une situation là, il y a quelque temps, qui ont perdu la vue, ou qui perdent la vue, et qui ont retrouvé une situation de handicap, et qui ont peut-être envie de suicider, envie de laisser aller. Mais voici un exemple, et c'est ça aussi le témoignage là. Que la vie continue, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Parce que là, quand vrai, ou quand il y a tout de côté, un marathon, ou quand il courir, on aurait couru, on aurait couru marathon. En fait, ce marathon à Martinique, en 1h44, en fait, marathon de Paris le 2 avril 2002, en fait, en 3h36. Et premier marathon en fait en Guadeloupe, en fait en 3h44. Et là, on a préparé moins pour le 27 novembre, on fait semi-marathon international à Martinique. Et là, c'est préparation là. Et but en moins, justement, c'est de qualifier moi peux être dans les top 10 dans le monde. Qui veut dire moi peux participer. Mais justement, qui j'ai encore fait courir alors que, ou pas avoué? Qui j'ai encore fait? Alors, ce qui est très important, moi, très content qu'on repose mes questions là, parce que l'homme qui a dit, mais qui j'aime pas, c'est Kakouya. Mais l'homme qui a dit, ah ouais, mais c'est comment ça va nous? Mais c'est Kakouya de nous? Mais c'est Kakouya qui a dit, ouais. Yo là, yo là, yo là, d'après, monsieur. Mais alors, ah ben non, en fin de compte, déjà, pour courir déjà, ça, déjà, faut un bon mental. Parce que, ou pas vrai la rue là, ou pas vrai obstacle, et problème en nous en Guadeloupe, c'est que, nous pas ni la réadapter pour des personnes en situation d'handicap. Mais quand pense que les politiques attendent nous, hein. Si on attend nous écouter. Si on peut mettre en parcours adapté pour nous, parce que guide moi, nous j'a fait nous manquer envers au sport des voitures à plusieurs reprises. Ces Guadeloupéens là, ils ont la rue là. Yo quoi vrai monsieur nous en laisse, il a couru avec moi. Soit marré. Nous marré. Yo quoi fonçant l'air. Mais c'est quoi gros parce que c'est quoi là, il est là avec lui. Non, c'est vrai, yo quoi fonçant l'air. Mais il y a pas longtemps là en tombé là. Soit marré bon. Mais oui, mais grâce et heureusement même en bien renforcé au niveau gainage ouais. Qui veut dire nous quand il prend dernier de faire en fractionné, nous tombe à 17-18 km. Là nous arrivons dernier virage là. Tu as 360 mètres pour nous définir. Avant, on va dire mais pourquoi avant nous, nous avons lumière, tout le bitin. Mais pourquoi, l'homme s'est dit, ça nous prend en rapprochement moins veille, mais. Donc, Zobari, à combien de distance? Ah ben nous, à 50 cm. 50 cm. 50 cm. Mais est-ce que M. Sekadiou accéléré, freiner? Oui, mais. Mais il a expliqué. Ça va, c'est un copilote qui prend une voiture pour. Voilà. Regardez, virage 90 degrés. Attention, virage 90 degrés, pour qu'est-ce qu'on gagne? Deux, trois, qui nous a fait, expliquez-nous. Voilà, qui est tout ça. Mais pour dire que c'est très dangereux, justement, les gens sont quoi, vrai qu'ils n'ont pas ni conscience des vrais qu'ils. Nous, c'est des humains. Nous avons des faits, sauf frapper nous, mais nous sommes morts, nous sommes cassés dans les noms. Ouais. Bon, chance en moins, pas cassé que la véhicule en moins. En paix, en refait moins, mais en train de refaire moins bien là. Il n'y a pas de problème. Ah, on prend les entraînements, il n'y a pas de souci. Alors, et nous avons rappelé aussi, il y a un paquet de gros trous en la rue là. Oui, oui, parfois. Parce qu'il n'y a pas dit, même on a dit, il y a un paquet de. Après, nous avons des crevasses. Ah oui, ah oui. Ça très dangereux. Non, mais c'est compliqué. Et là, après, les entraînements que nous avons fait, nous avons parti au moins à 4h du matin, nous avons couru en la rue là. 4h du matin. Des moments, nous sommes obligés de passer bonnet pour ces voitures là. Parce que c'est pour gars, nous on est bien sur les côtés. Des gros camions, c'est pour gars passer grand côté. Magazine, mais c'est n'importe. Mais pas de pont voiture en face. Et nous, ni lignes, on a tout ce qu'il faut. Ah, mais pendant moi, quel message vous voyez par les automobilistes? Ah, ben les automobilistes, les gens qui ont en démon, même ils voyants, ils malvoyants, quel qu'en soit, respectez, partagez la route, respectez dans les routes là. Nous, j'ai manqué faire nous shooter avant un paquet de voitures. Les gens dans le camion, les gens dans. Peut-être qu'il y aura dit 4 heures du matin, cassé, mais c'est qu'à faire là sans les routes là. S'entraîner ou pas entraîner. Mais nous avons vivre aussi. Nous avons être libre. Nous avons travail, mais nous avons fait sport. Nous avons être bien. Et en plus, nous avons représenté la Guadeloupe si nous déplacer. Nous avons représenté la Guadeloupe, nous voyager. Là où nous parlons, autant nous parlons. Mais c'est parce que nous n'avons pas les moyens qui veut dire une structure pour nous courir, pour nous entraîner correctement. C'est là qu'il a démonté. Mais ça a demandé Chicanos un paquet mental. Bon, c'est nous faut faire une mission spéciale. Ah non, mais ça a demandé. Pour faire une mission spéciale, spéciale. Et là, il a présenté Guy Damouin, M. Fan Sartounet, Annie Widzi Woklo aussi. M. Woklo, là, c'est en gaz même. C'est, il avait fait marathon de Paris là. Il avait Fort Bain aussi, qui fait premier marathon. On est trois guides. On est trois guides.
En trois guerres, il faut au bien au tout début. Il courait vers mon sommet marathon à Martinique. Le premier là, fait 1h44, c'est fort bien. Fort bien. Et puis, en fait, marathon Paris là, vers 8-0 clan, morceau 8-0 clan là, morceau fait là. Et allait là, en y monsieur Saturne enfant, mais c'est des boucles qui font partie des 10 meilleurs en Guadeloupe. Oui, oui, nous applaudissons. Alors, la famille, redressez-vous, regardez la caméra là. Qui j'ai encore fait pour guider? Eh bien, pour guider en monde, en malvoyant, eh bien, faut oublier complètement vous. Ça veut dire qu'on peut garder, on peut penser, on peut réfléchir. Et surtout, on peut faire en sorte pour que vous permettiez de courir selon la capacité y a déjà. Parce que comme moi, enfin, guide là, il est censé être beaucoup plus fort. Donc, il faut savoir. Ralentir, temporiser, mettre au niveau. Voilà, pas forcer. Courir pour y. Et être secoué, éveil. Voilà. Et en même temps, il faut veiller les obstacles, il faut veiller tout ça qui a fait alentour, tout ça qui a fait tout le danger qui a été venu. Voilà. Et à quel moment on va dire, hop, par rapport à Andodan, à quel moment on va dire, serre un peu à droite, à gauche, tout droit. Donc, il faut vraiment lucide pour guider en malvoyant. Bon, par contre, ça qui est bien dans ça, c'est que ça apprend vous à vivre avec d'autres monde. Enfin, quand tu travailles dans l'amour tout à l'heure là, ouais, ouais. C'est-à-dire que être vraiment à disposition au monde, totalement. Depuis qu'on récupère de votre portail, eh bien, on se désire en fait. Jusqu'à vous déposer. Jusqu'à nous retrouver. Oui, 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 oui. Ça veut dire que vie est un merde. Voilà, vie est un merde. Voilà. Ça très, très, très donc, en responsable d'elle, il ne faut pas rien arriver. Il ne faut pas rien arriver. On doit être ramené, comprendre. Et si nous avons un objectif aussi pour 2024, il faut que nous fassions les choses correctement aussi. C'est surtout au moment où nous avons fonctionné à 2 km là, justement. On était tellement envie de faire les choses bien. Alors, nous avons assuré quand même à Lula, pour nous sentir que nous faisons bon temps au niveau de kilomètres là. Et c'est là où on va serrer nous. Mais nous avons trop vite. Donc, là, on dit rabat, il rabat trop vite et touché moins. Donc, vous voyez que ça m'a très mal à l'aise parce qu'il voit ça aussi. Ça veut dire que vous-même, vous prenez information là. Faut prendre information voilà, là, pas paniquer. Voilà. Pour voir ou pas faire paniquer. Voilà, c'est voilà, compliqué. Voilà, c'est très compliqué. Et là, nous chuter, ça embête moins parce que. Pour moi, ce sont sans faute professionnelle en fait. En pas assuré. Voilà, très très embêté. Parce que on pense à vraiment comment on travaille. On ne pense à comment on joue. D'accord. Parce que nous avons un objectif à 2024. Donc, réussi. Voilà. De toute façon, ok, les autres. Ok, vous nous faire une mission spéciale ici. Alors, on va mettre Flyers là encore. Là, je regarde ça. Nous attendons les autres. Dimanche 16 octobre 2022. Ok, je renvoie au centre culturel Sonis, 6h, à 6h du matin, 5 km. Kenny Stan et Animation Zumba. Kenny, la jogueur à Timon aussi, le Timon peut participer. Tarif là, il y a 10 euros. Hein? Et tout renseignement 0590 48 68 18. Est-ce qu'on a oublié quelque chose, les gars? J'ai oublié un truc? Non, c'est bon. Avec Jenny Paulin qui est là, qui a fait échauffement là, à partir de 6h du matin. Jenny Paulin qui a vu un groupe qui a échauffé. Tout groupe là justement pour mettre yo prêt à aller courir et marcher. Alors but à la jogueuse c'est que c'est madame là qui partie avant justement nous toujours envie que ça madame qui arrive avant parce que c'est la jogueuse. Alors madame poto mitan madame cadrené parce que madame c'est cadrené nous hein, nous peut faire ça nous fait parce qu'on pas avoir un homme enceinte et accouché en tout dis ça quoi accouché un homme enceinte et accouché bon là bon vrai bon tout bien qu'a fait aller mais bon ouais ça pour dire force après ça si ça a fait pas bon ouais ça même pour se forcer en femme, il faut respecter en femme. En femme, il faut respecter en paquet même. Parce que depuis où j'avoue un accouchement, je vois que ça. Wouf! Enfin. Alors, ça n'a pas fini tout seul. Avec qui nous avons vu? Ah ben, nous venons avec. Moi, on peut même. En plus, je se laisser parler parce qu'il y a tellement de puissance à dedans, force à dedans. Eh ben, nous, on va y parler. Même moi. Il va y présenter. En rapport à force à veille. Boudjoum, on y va. La famille, comment ça va? Ça va super, merci et toi, Chika. Eh ben, ça va, présente-toi. Alors, Rilana Tico Barreau. Je suis totalement aveugle depuis l'âge de 13 ans à la suite d'un AVC et d'une leucémie. Je suis secrétaire de l'Union des aveugles de Guadeloupe. Je suis professeure de braille. Et je suis la future gagnante du 16 octobre 2022. Oui, 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 oui. Alors, la famille, à quoi peut-il dire ça?
La famille Zot, Zoni rendez-vous avec moi, faut nous faire une émission spéciale. Et toi aussi, oui. Faut nous faire une émission spéciale. Parce que nous avons envie aussi hein, que les malvoyants, les aveugles aussi, ni place à yo. Nous pas envoyer la télé. Les médecins pas invité yo. Et ça, c'est pas normal. Là, quand tu as un Zot, tu as un là, moi-même, je vais vous aider à l'autre. Je vais vous aider à l'autre. Bon, à travailler avec la jogueur, oui, mais. Faut que nous ouvrions pendant cette télé-là, ces médias-là, justement, par tout le monde. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Kazila? Oui, 100%. Oui, et si je peux me permettre. Vas-y, vas-y. En Kazan. Alors, si. Enfin, je remercie beaucoup les frères Brut d'avoir organisé ce défi au profit de l'UDAG, parce que l'Union des aveugles de Guadeloupe, nous savons qu'il y a énormément de non et malvoyants en Guadeloupe qui restent cloîtrés chez eux parce qu'ils n'ont aucun moyen de venir jusqu'à nous. Les transports sont chers. Je ne dis pas que les transports sont inexistants. Pas du tout. La région s'occupe de ça. Ils payent une partie des transports. Mais malheureusement, la deuxième partie est encore trop lourde. Donc venez en masse nous soutenir. Je vais parler franco, hein, nous ramener cet argent puisqu'on en a besoin. Et les personnes qui vont bénéficier, c'est-à-dire nous, les adhérents de l'association, et j'espère les futurs adhérents, on en a vraiment besoin. Et une fois qu'on aura cet argent, on pourra continuer à faire toutes nos activités, yoga, gym douce, informatique, chant, etc., etc. Je le promets, solennellement là, faut nous trouver, soit la semaine prochaine ou la semaine qui arrive là, pour nous faire une mission spéciale. Ça n'est pas normal. Non, mais c'est vrai. Oui. C'est vrai parce que moi, c'est beaucoup de qui. Je vais honnête, hein. Et oui. Et ensemble, que les pires qui font, ils ont copié, ils ont fait. Mais c'est important, c'est qu'on a. Faut péter pour te lancer. Non. On ne peut pas attendre qu'elles ont des difficultés comme ça et on l'a regardé. Non. Non, parce que moi-même, en famille, en moi, hein, eh bien, t'es ni des parents qui étaient malvoyants. Pas le roi, mais. Et ensemble, quand ça veut dire, là, on a un parent qui est malvoyant. Et il ne peut pas arrêter tout ça là. Tu vois, faut ni moun ki ka. Bon, tu ne vas pas aller en train de payer 10 autres. Dis là, mais voilà. Il faut que quelqu'un, comme il a dit, hein, faut se vivre. J'en ai droit à la vie. J'en ai même droit qui tout le monde. Vas-y. On sait vite, on va faire ses conduits. On sait le bitan pas qu'a fait, tout seul en moins c'est conduit. En cas fait scooter des mers, en cas courir, en cas marcher, en cas cinéma, en cas tout partout, en cas danser, en cas carnaval. On sait le bitan pas fait, c'est conduit. En vivant, tout bout. Il a la raison pas conduit, mais binôme en moins, ou zéro clore, enfin conduit, ou à 10 en moins. Alors, on dit. Alors, on va dire ça à l'antenne. Non, mais après, c'est des moments de plaisir. Oui, oui. Parce que moi, j'ai depuis Athénée, en premier permis en Mandé, 18 ans, j'ai en pierre, en vive, c'est pour ça qu'on a dit qu'en panier. Aujourd'hui, là, ce qui est derrière est derrière. C'est pour ça, à certains moments, dans la vie, il faut s'en laisser ça qui est derrière. Et avancer, et ça qui cavine devant. Réduire ça encore. Il faut savoir que ça est derrière. Il faut avancer, et ça qui cavine. Parce que derrière pas intéressant encore, il j'a passé. Très là j'a passé. Alors nous allons vers l'avant. Et c'est ça moi en toujours qu'a fait. Et c'est pour ça que la vie en toujours qu'a dit, la vie belle qu'on défend pas en toujours qu'a dit, ces enfants là, la vie belle. Alors c'est la société qui vient différent, qui vient hypocrite, qui vient tout ça nous connaître. Mais la vie toujours belle. Hein? La vie toujours belle. Et c'est pour ça que moi personnellement, avec la Joggers, avec frère moi Bruno et nous rencontrer grand frère moi Joël qui vient rejoindre nous en société là. Aujourd'hui, pour moi, c'est sans satisfaction, sans réussir réunir nous comme ça, c'est ça défait papa, tu toujours te cas de nous même sans pas là, toujours été consolé là. Ça qui fait papa plaisir, rester solidaire un mes autres, pas jaloux ta là. C'est comme ça nous lever et nous lever dans cas où c'est difficile, nous lever terrasse au Nice, bois ça. Nous te connaître qu'il y a drogue, qu'il y a été délinquance, qu'il y a été à l'époque à Timal. Alors là, on va dire qu'on a fait plein de bitin là. Mais à part la vraie délinquance, ça sent délinquance. Mal propre, on va trouver. Parce qu'en certain moment, on a des rigueurs, on a une façon pour faire. Ou quoi dire que c'est voler pour y voler. Ou quoi dire c'est braquer pour y braquer. Oh, il y a tellement de choses à faire. Il y a beaucoup de. Oui, le système est ici. Oui, le système est comme ça. On le sait. Mais nous, qu'est-ce qu'on a fait? Tout seul bitin nous a fait, nous toujours qu'à plein nous. Un moment, il faut arrêter plein vous. Mais à part que vous avez dit, mais vous avez fait un rompibité, oui, sans doute.
Mange à faire un paquet, quand je fais encore, quand vous autres faites autres là, allez là. Plairer, c'est plairer, tout le temps, il faut plairer. Un certain moment, il faut vivre la vie. Il faut se laisser vivre comme le fleuve de l'Inn, de Nil, qu'on a toujours dit. La vie, justement, il n'est pas fait, il pas fait plat, hein. Il fait en lobos. Alors, il faut ça prendre ces boss là, et il faut ça. L'autre tombe, ou tu apprends un boss. Boss ça monte en fond, ma brigade baisse. Ah ben la vie, c'est ça, hein. Alors, faut malheureusement, l'émission a déjà fini. Ça arrive vite, hein. Ça arrive vite. Tu as alors, nous attendons tout pour soutenir l'UDAG. Parce que nous avons besoin de vin acheter kit à zot. À Kadjogos pour le moule. À Damankou, Zach Damankou du moule. On est Bastel, 17 coups du docteur Cabre. On est l'assainissement. Numéro là, 05 90 48 67 18. Nous attendons toute la Guadeloupe. Nous attendons zot. Zotan Jean-Lira n'a parlé. Il y a besoin zot. Et c'est ça la Jogos. Et nous remercions le président là pour travailler avec là. Et Madame Rousseau de du moule. En cas bien belle force, Madame Lassa. Grand Madame Lassa. Il y a qui en moi. Amen. D'accord. Chika. Oui, vas-y, vite fait. Avant de terminer, comme l'a bien dit la Jogger, regarde-moi dans les yeux. Et à nos regards croisés. Dis-moi ça avant. À nos regards croisés. Oui, oui, oui. Nous avons une belle émission. Arrête de mettre un chronique tous les jours. Nous avons un gros bide. Non, non, non. Nous avons un gros show. Tous les jours, on va venir avec moi. Nous avons pété. Et comment? Eh bien, voilà. Nous allons parler de toi. Nous avons fait nous. Alors, la famille, vas-y. Déjà, ben grand merci à Chicanos, évidemment, pour tout ce qu'il fait par rapport à l'émission. Déjà, très, très grand merci. De rien, la famille. Et puis, ben moi, je vous attends donc pour la démonstration gratuite ce samedi. 15 octobre, de 9h à midi à Dany Market, donc, qui est situé au Moule, juste en face du cimetière. Et ensuite, le même jour, le même samedi, de 14h à 16h, à Rima d'Estrélan, qui est situé à côté de Megachos. Vous pouvez retrouver les produits sur la Martinique dans tous les magasins Jet Discount, Jean-Bette Cluny, Rivière Salée, à la Mantin Jet à Mongovulsin, à Mia Bioti, qui est à Rivière Salée, et en Guadeloupe, et également pardon, au magasin Sirène à Fort-de-France, à Diamond Girl également au Marin. Et sur la Guadeloupe, les magasins Jet Discount également, Dany Market, je vous l'ai dit, et Rima d'Estrélan. Et la boutique en ligne aussi, n'oubliez pas. Boudoum! Alors, people, guys, ça qui est en main, tout nouveau, news, Fat Burn Fast Art. Vous allez tous connaître Fat Burn, OK? À quand même, c'est les laboratoires, la nature, parce que moi, je travaille avec des produits naturels, nous pas dans le chimique, hein, qui ne sait pas où tenir en moins, hein. Et là, ils font un nouveau Fat Burn. Donc, connaître le Fat Burn que je vais retrouver dans toutes les bonnes pharmacies. Hein? Hein? Mais là, ils font un dernier. Il est arrivé hier, il est sorti hier, en janvier. Fat Burn Fast Hot. Hot, donc, ça veut dire chalet. Alors là, anti-cellulite émetteur. OK? Donc, vous voyez, c'est un anti-cellulite émetteur, une crème encore plus haute. Et à retrouver dans toutes les bonnes pharmacies. OK? À 4-10 autres, moi-même, j'ai essayé hier, j'allais monter. OK? Donc, Fabien, là, la première, on a qu'à crier nous, là, à qu'à faire gagner. À qu'à faire gagner, parce que moi, c'est ça. Là, il fait moi, hein? C'est un à l'autre, et on veut que le public, on a gagné des bitaires. Parce que là où sont les émissions, on gagne des choses. Et c'est un très, très beau cadeau, hein? Anti-cellulite et mes soeurs. Fat Burn, hot, à retrouver dans toutes les bonnes pharmacies. OK? Allô? Allô, bonsoir, Chika. Bonsoir, tu nous appelles d'où? Le Gosier. Gosier, le prénom? Fabienne. Fabienne, nous sommes aussi gagnés Fat Burn là. Oui. OK? Anti-cellulite, mes soeurs. Mais on mérite ça même. Bon. Vous alors, Fabienne, nous avons laissé le numéro de téléphone à vous. Et au cas où il vient récupérer à Canadis, qui tombe Vin? Demain matin, il va arriver là-haut. Attention, il a fait chaleur à monter. Et au cas dis-nous, il tout nouveau. Il arrive hier à Guadeloupe et Jala. Et au cas gagné. D'accord. Et au cas crier, nous pouvons dis-nous. Efficacité, d'accord? Pas de problème, Chica. Alors, ne raccroche pas, prends son numéro. Eh bien, voilà, nous allons présenter la Jogger. Vas-y. Oui, alors, le jeu vite fait parce qu'on doit couper. Ouais, le nom du site www.natirel.univers.fr, livraison mondiale. On rappelle, Fat Burn Hot à retrouver dans tout. Attends, Fat Burn Fast Hot, non, aïe. Ça veut dire qu'il est vite et chaud. Voilà. Ouais. Rendez-vous dans un mois. A commencé hier.
Mimi. Fan Bell. Fast Art Boudoum. Lemou. Pas laisser au chaud du plus belle richesse à et via Pas laisser au chaud du plus belle richesse à